You better live.
Attaché là. Qui est ton nom? Vivant. Quel est ton nom? Je le vivant. Tu le libères? Ouais. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Ouais. Tu as gâté quoi? J'ai pris tout. Tu as tout pris? Ouais, tu as pris quoi et quoi? Ah. Tu as gâté quoi? Je l'ai pris tout. Tu as pris quoi et quoi? Ouais. Tu as pris quoi et quoi de sa vie? Ouais, ça. Tu as pris quoi et quoi? Son avenir. Son avenir? J'ai pris son avenir. Tu as pris son avenir? Ouais. Tu as pris son avenir? Ouais. C'est ce que tu as gâté? Ouais. Son avenir? J'ai gâté. Tu as gâté son avenir? Ouais. Tu as gâté son avenir? Ouais. Tu as gâté son avenir? Ouais. D'accord? Je le laisse. Tu le laisses? Je veux le laisser. Tu veux le laisser? Ouais. Qui est, quel est ton nom? Je veux le laisser. Dis toi qui l'a bloqué. Mais je veux le laisser. Dis toi qui l'a bloqué, qui est qui? Je veux le laisser. Oui, oui, je sais. Ouais. Mais qui es-tu? Toi qui as bloqué son avenir. Comment tu t'appelles? Ouais. Toi qui as bloqué ton avenir, comment tu t'appelles? Ouais. Alors, si tu ne parles pas, je ne te laisse pas. Toi qui as bloqué son avenir, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu... Dis. Je l'ai laissé. Oui, tu l'as laissé, mais comment tu t'appelles? Toi qui as bloqué son avenir. Fais! Tu vas parler. Toi qui as bloqué son avenir, comment tu t'appelles? Je veux le laisser. Oui, mais qui es-tu? Toi qui as bloqué son avenir, quel est ton nom? Samuel. Hein? Samar. Samar. Comment? C'est sa mère. Samar. 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 Ouais. Tu es sa tante. Hein? Ouais. Tu es sa tante. Ouais. Tu es sa tante. Ouais. C'est ça? Ouais. Elle t'a donné sa fille. Ouais. Tu l'as donné ta fille, il a refusé, c'est ça? Ouais. Il ne veut pas marier ta fille. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est pour ça que toutes les femmes qui marient, tu gâtes. Oui. C'est ça? Ouais. Tu lui as donné ta fille, ouais. Il a refusé. Ouais. Et maintenant, toutes les femmes que tu maries, tu gâtes. Ouais. C'est ça? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Excusez. Pourquoi? Excusez-moi. Non, c'est pas question d'excuser, mais pourquoi tu as fait? Excusez. Tu habites où? Tu es où? Excusez. Tu vis où? Ici au village. Quel village? Ici au village. Quel village? Ici au village. Quel village? Quel village? Quel village? Tant que tu ne parles pas, il ne te laisse pas. Tu es Satan. Tu es Satan, c'est ça? Oui. Alors, il a donné sa fille, t'a donné ta fille, ouais. Et il n'a pas marié, c'est ça? Oui. Et après, toutes les femmes qui marient, qui gâtent? Ils s'en vont. Ils s'en vont? Oui. C'est toi qui fais? Oui. C'est toi qui fais? C'est combien de femmes qui est parti? Combien de femmes? Tu as chassé combien de femmes? Trois femmes. Ouais. Tu as chassé les trois femmes. Ok. Mmh. Et tu as bloqué tout son avenir. Ouais. Il a des diplômes, c'est ça? Oui, beaucoup. Beaucoup de diplômes. Ouais. Il a quel diplôme et quel diplôme? Il y a beaucoup. Oui, quel diplôme? Tu as tout bloqué. J'ai tout. Tu as tout bloqué. Je remets tout, je remets. Tu remets maintenant? Oui, je remets tout. Hein? Je remets tout. Tu remets tout? Ouais. Avant de remettre tout, fais-toi! Le feu d'abord, si toi, avant de remettre tout.
Feu. Le feu. Jérémie, c'est fini. Le feu. Jérémie, tout. La puissance de Dieu. 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 Jérémie. La puissance de Dieu. Jérémie. La puissance de Dieu. Ah, maintenant même, sors, quitte sa vie. Voilà, quitte sa vie. Allez, quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez, j'ai libéré son mariage. J'ai quitté. Oui, maintenant laisse son mariage. Laisse. Laisse son mariage. Laisse. Allez. J'ai laissé. Oui, laisse. C'est fini. Fais. J'ai laissé. Allez, fais. J'ai laissé. Allez, libère. J'ai laissé. Oui, libère. J'ai fini. Allez, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, je me libère, les chaînes tombent, je te déclare libéré, allez, lève-toi. Allez, c'est fini, t'es libéré, allez, c'est fini. Allez, hop.
Ses parents. Alors quel est ton nom? Ils te l'ont confié depuis où? Dans quel pays? Depuis le ventre, ils sont des jumeaux. Oui, mais depuis quel pays? Depuis quel pays? Alors, ils te l'ont confié depuis quel pays? Depuis Lomé. C'est ça? Depuis Lomé. Comment s'est passée la cérémonie? Comment tu l'as donné? On a fait des herbes pour sa maman pour qu'elle enfante. Vous avez fait des herbes pour sa maman pour qu'elle enfante, c'est ça? Alors, donc vous contrôlez sa vie, c'est ça? Oui. Vous contrôlez sa vie. À part le mariage, vous avez détruit quoi? Son école. Vous avez détruit son école. Vous avez détruit quoi encore? Quoi d'autre? On a pris ses œils spirituels. On a mis notre œil, donc elle fait des choses qu'on ne veut pas. Qu'elle compte quoi? Elle fait des choses anormales. Comme quoi? On rentre en elle fait des problèmes. Quel problème? Quel problème? Vous voyez pourquoi c'est important la délivrance? Vous voyez comment c'est important de prier et de savoir son conjoint et sa conjointe? Voilà, donc déjà, c'est deux mariages gâchés. L'esprit nous dit que c'est lui qui est la base de ça. Vous comprenez? On peut apparemment dire qu'elle faisait exprès. Mais l'esprit nous dit maintenant que c'est lui qui est l'origine de ces mariages, ces divorces. Pour vous dire, ne négligez rien. Par moment, les esprits vous accompagnent dans le foyer. Par moment, les esprits vous accompagnent dans un mariage. Et quand vous n'êtes pas délivré, mais ça devient la bagarre, ça devient autre chose jusqu'au divorce. Parce que l'esprit dit tout à l'heure qu'elle était consacrée à ce démon-là. Ça veut dire que dans sa destinée, il n'y a pas le mariage. C'est ce que ça veut dire. Son mariage, je l'ai fait boire de l'acide. Son mari a été demandé le divorce. Ah, tu l'as fait boire de l'acide?
pour qu'elle meure. Ah, pour qu'elle meure. Et son mari a demandé le divorce. Depuis quand tu es dans sa vie? Depuis quand? Depuis qu'elle a 19 ans. C'est là que tu as commencé à régner dans sa vie. Alors, quel est ton nom? Je veux savoir ton nom. Oui, je veux savoir ton nom. Je veux savoir ton nom. Oui, donne-moi ton nom. Quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Je ne vais pas dire. Si, tu vas dire ton nom. Parce qu'aucun démon ne peut résister à la puissance de Dieu. La Bible déclare que tout genou fléchira au nom de Jésus. Donc il fléchira à genoux. Donne-moi ton nom. Quel est ton nom? Je ne vais pas donner mon nom. Si, tu donneras ton nom. Quel est ton nom? Parce qu'aujourd'hui, le divorce est prononcé. Oui, c'est fini là. Tu n'as plus de pouvoir sur elle. Tu n'as plus de pouvoir sur elle dans le nom de Jésus. Je l'ai fait belle alliance avec moi pour elle. Oui, mais quel est ton nom? Dans la mer. Et comment tu t'appelles? Quel est ton nom? De la sirène, c'est ça? C'est la sirène, je connais déjà. C'est la sirène, c'est ça? Hein? Ils ont les faits dans la mer, tisser une alliance. Vous comprenez? L'esprit dit que depuis la mer, la vie de cette femme a été tissée avec, c'est-à-dire, il a fait l'esprit des eaux. Voilà, donc depuis le moment, l'esprit contrôle sa vie. Alors, aujourd'hui, je t'ordonne de partir. Il y a eu quelle cérémonie? Il y a eu quel genre de cérémonie avec la mère? Qu'est-ce que les parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme cérémonie? Qu'est-ce que les parents ont fait comme cérémonie? Vous pouvez te confier cette vie. Qu'est-ce que les parents ont fait comme cérémonie? Ils ont fait quoi comme cérémonie? Alors aujourd'hui, tu quittes sa vie. Voilà, va-t'en. Voilà, va-t'en. Quitte sa vie. C'est un ordre. Aujourd'hui, là, voilà, tu pars de sa vie. Va-t'en. 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 Fais. Va-t'en. Quitte sa vie. 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 Tu m'entends? Quitte sa vie. Libère-la. Libère-la. Je ne vais pas la libérer. Si, tu vas la libérer. C'est un mort et ça ne se discute pas. La délivrance de cette soeur ne se discute pas. Tu la libères au nom de Jésus. Lâche-la. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Oui, si, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va. Oui, va, va. Quitte sa tête. Allez, allez. Allez, libère sa tête. Allez, libère sa tête. Libère. Libère-la. 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 Libère sa tête. Libère-la. Fais! Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus de Nazareth. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère-la. Elle est toujours avec moi. Je la lâche pas. Oui, mais je brise l'alliance. Le pacte est brisé. Tu m'entends? Voilà. C'est brisé. Je ne peux pas la laisser. Tu la laisses maintenant. Je
la laisse jamais. Si tu vas la laisser aujourd'hui, dans le nom de Jésus, c'est à cause d'elle que Jésus a payé le prix à la croix. Donc je t'ordonne de la libérer. C'est un ordre. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Libère-la. Tu m'attends? Sors d'elle. Si, sors d'elle. Si, si, tu vas partir. Non. Si, si, non. Si. Feu! Allez, feu! Le feu sur toi. Allez, le feu. Feu! Feu! Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Vous êtes venu ? Elle est quoi ? Elle est quoi ? Non, mais je refuse maintenant au nom de Jésus. Sors de sa vie. Tu m'attends ? Sors de sa vie. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Je te ramène dans la mer. Hé, je l'ai amené de la mer d'où ? Méditerranée, mer de Lomé. Où elle est quittée là, non ? Lomé, c'est Atlantique, ou c'est quoi ? C'est Atlantique. Bon, Atlantique, là, c'est chez nous, donc, c'est pas bon. Atlantique, là, peut passer par la Côte du Bordeaux. Tout ça, c'est Atlantique, c'est pas bon. On ne sait pas qui est ici Atlantique là-bas. Aïe, c'est pas bon. On va l'amener quelque part dans une. Quel mec est bizarre, tout ça. C'est quel mec ? La mer du Nord, la mer du Nord. Hein ? La mer du Nord. La mer du Nord, c'est la Bretagne jusqu'à. La mer de quoi ? La mer du Nord. Il y a quoi là-bas ? La mer du Nord. La mer du Nord. Pourquoi vous voulez qu'il y ait l'esprit là-bas? La réponse est quoi? Non, je vais savoir une raison. Donne-moi une raison, voilà. Tu veux vivre dans la mer, de l'humain. Hein? Tu veux vivre dans la mer aussi. Oui, mais pourquoi pour nous le Nord? Pourquoi? Ce fait qu'il y a autour de la France. Ah, mais pourquoi vous êtes. Maintenant, on est tous en France. C'est vers la France. Donne-moi un truc, quelque part là-bas. La mer du Nord. La mer rouge. Hein? La mer rouge. Hein? La mer rouge. La Méditerranée, c'est là-bas que les avions passent. Nos avions dépassent là-bas pour partir. La mer de l'Alaska. Il n'y a pas de. Et il n'y a pas de pays derrière. En Norvège. Voilà. Hein? Après la Russie, il n'y a plus de pays. Allez, feu ! C'est le pôle Nord après. C'est le pôle Nord. Bon, début, tu vas aller dans une mer, mais pas chez nous ici. La mer du Taran, mais pas en Asie, pas Méditerranée, pas la mer Noire, mais. Va dans la mer. Oui. Sors d'elle. Je te commande aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Mort et ressuscité. Il reviendra bientôt juger les morts et les vivants. Jésus qui t'a vaincu de par son sang. Je te commande aujourd'hui de partir définitivement de sa vie. Les alliances sont brisées. Les pactes sont brisés. Et je la déclare libérée. Je la déclare guérie. Au nom de Jésus. Maintenant. Lève-toi. 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 Allez, cours vers la chaise là-bas. Chaise. Où est prêché là? Cours. Cours, cours, cours. Elle a pas enlevé ça. Elle t'a choqué. Je te savais ton nom déjà. Tout ton nom. Hein? Tu es française, tu t'appelles Béatrix, c'est toi? Dodo, ça c'est le nom de chérie, ça. C'est ça. Ayawa. Hein? Ayawa Delphi. Ayawa Delphi. Hein? Comment vous sentez? Ça va. Su. Allez, courir. Allez. Amen.
Qu'est-ce qui vous a conduit ici, jusqu'à moi? C'est que la chose me rend folle. Quelle chose? Je ne dors pas la nuit. Oui, quelle chose? Le problème. Les esprits, oui, tu dis quelle chose? Je ne sais pas si c'est les esprits. Ah, parce qu'ils ont parlé tout à l'heure. Ils ont dit tout à l'heure. Qui vient de la mer. Hein? D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Ça va pas, tu viens de lever. Elle est perdue. Ça va, tu es dans le verre de l'eau. Ah, vient de lever. Donc, c'est l'esprit qui vient de la mer et que tes parents ont fait une alliance. Voilà, donc il y a eu des chances de vie. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Vous savez ça? Je me souviens, on m'a dit ça. On vous a dit ça? Vous vous souvenez? Qui vous a dit? C'est maman qui m'a dit ça. Ton papa? Maman. 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 Elle a dit quoi? Elle a dit que avant que je le soigne, ouais. On était allé faire des cérémonies pour elle, pour qu'elle ait un enfant. Où? Je ne sais pas. Oui, mais l'esprit lui dit que c'est la mère. Je ne sais plus. Alors, l'esprit nous dit tout à l'heure que c'est la mère. Que l'esprit des mères, des eaux, c'est cet esprit-là qui te contrôle. Tu as eu un premier mariage. Tu as eu deux mariages gâtés. Oui. Hein? Oui. Le premier mariage, tu as fui, tu es parti. Oui. Le second, tu as bu acide et ton mari, il dit le divorce. Oui. Qu'est-ce que t'as poussé à aller boire l'acide? Je ne sais pas. Vous êtes beaucoup violente. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu quoi? Moi, je me suis levé le matin. La chose m'a passé dans la tête. J'étais allé prendre l'acide. C'est venu comme ça dans ta tête, tu es allé prendre l'acide pour boire? Oui, je me suis suicidé. Pour te suicider? Oui. Et tu as bu? Oui. Toute la bouteille? J'ai pas tout bu. Et pourquoi? Vers un certain, j'ai brûlé un tout petit peu, j'ai craché. On t'a brûlé. Alors Dieu vous aide. D'accord? À partir d'aujourd'hui, vous êtes totalement libéré. C'est la puissance qui est dans le nom de Jésus. D'accord? Alors, venez, venez. Venez. Comment vous sentez? Ça va? Oui, ça va. Allez, viens un peu, je vais attendre votre voix. Non, d'accord. Comment vous sentez? Oui, ça va, ça va. Ça va? Oui. Vous êtes musulman? Oui. D'accord. Mais on a prié pour vous. Ouais, merci. Voilà, nous, ça ne nous gêne pas de prier pour vous. Vous êtes musulmans, vous êtes venus, on a prié pour vous. Ok, merci. Voilà. C'est l'esprit de votre, l'esprit de la sorcellerie de votre tante qui a décidé de vous donner sa fille en mariage. C'est votre cousine. Ouais. Vous avez refusé. Alors, donc elle a gâté le droit de votre mariage. Et c'est elle qui est la base de tous vos problèmes. C'est bon, merci. Voilà. Et comment elle s'appelle cette tante-là? Sama. Sama. Alors, c'est ce que vous avez dit. Voilà, c'est Sama. Alors, pas de rancune, hein. Mais c'est l'esprit-là qui agissait sur toi. Okay. Qui faisait que tu ne fondais pas de foyer. Tu comprends? Heureusement que tu es venu. Mais c'est fini, tu es libéré. Okay. Merci. Tu es un monsieur qui va vendre beaucoup de voitures. Tu vas dans le domaine de la vente des voitures. C'est là ta richesse. Et après ça, tu vas construire beaucoup, tu vas beaucoup de maisons. Tu es un homme riche. Okay, donc aujourd'hui, je te donne ta richesse. Okay, merci. Okay, mais ne m'oublie pas. Ah, faut pas m'oublier. Si ça vient, je te donne mon numéro pour m'appeler. Je ne vais jamais vous oublier. Ah, faut qu'on dise au mon bio. Tu es libéré, hein? Tu es libéré, okay. C'est fini. Merci, merci. Alors, je sens quelque chose là. Tu montres. Ça va? Hein? Ça va mieux. Ah, c'est ça va mieux. Je vois quelque chose comme ça, comme maintenant, comme vers des là. Alors, je vais l'amener. Hein? Et puis, c'est fini. Hein? Moi, ça m'empêche pas. Hein? Vous m'avez beaucoup observé. Observé la manière. Donc de prier pour les gens. Et que je ne prie pas. Qu'il n'y a pas de religion. Mais moi aussi, je ne suis pas mon bord. Hein? Ouais. Et aussi, vous pouvez m'empêcher de venir. Ouais. Parce que quand j'ai décidé de venir, enfin, je résiste. Ah, vous ne voulez pas venir, l'esprit dit pour pas venir. Vous avez quoi? Avant de venir, qu'est-ce que vous avez? Oui, la confiance en Dieu, mais tu avais quel mal?
pour me rencontrer. Ce qui t'a poussé à venir me voir. Oui. D'accord, mais tu avais quel souci? Tu avais quel souci pour me rencontrer? Qu'est-ce que t'as envoyé jusqu'à moi? Est-ce que tu t'aimes à ton conseil? Quel est le problème que t'as envoyé à moi? Pas l'église, à moi. À vous. Oui. D'accord, c'est ce que je vais attendre. De quoi? Je ne comprends pas. Tu comprends pas? Parfois je veux m'exprimer, je ne veux pas. Parfois je veux sortir là où je n'ai pas pu y aller, je ne reconnais pas. Tu ne connais pas? J'avais tellement mal à l'autre. Je ne dormais pas. Ah, de là? Oui. Jusqu'à là? De là, de là. Oui. Ça remonte comme ça. Oui, ça j'ai vu. Jusqu'à là. Et puis. Quand je veux, par exemple, quand j'appuie, c'est parce qu'on est un peu plus clair. D'accord. Et ça te fait ça comment? Combien de fois? En quel moment ça fait? Même plus fort. Oui. Alors, comment tu te sens maintenant? Légèrement vidé. Voilà, comme vidé. Mais est-ce que tu ressens les mêmes douleurs au papa? Je ne ressens rien. C'est fini, c'est ça? Vous ne ressentez plus rien? Alors, c'est fini, vous êtes guéri. C'est fini. Amen. C'est fini, vous êtes guéri. C'est fini. Alors, je te donne une semaine, ça veut dire toute la semaine, et puis reviens dimanche témoigner, ça sera la coupable. Non, je dis reviens dimanche, je te donne mon planning. Oui, c'est dimanche. Vous revenez, où les messieurs? Ok. Ok, c'est vide là-bas, ok, c'est vide. Alors, vous revenez dimanche prochain, et ça sera la coupable, d'accord? C'est fini, c'est fini. Quoi? Et c'est ça, oui, c'est ça l'onction. C'est-à-dire l'esprit est parti et tu te sens comme vidé. L'esprit est parti et tu te sens comme vidé. Tenez-vous debout ici, tenez-vous debout. Et mettez la main sur vos têtes. Voilà, mettez la main sur vos têtes. Et que je prie pour vous. Ressentez la main de Dieu sur votre vie. Cette main de Jésus vous touche. Cette main de Dieu vous touche. Vous touche. Dans ce corps. Que fais-tu dans ce corps? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Tu as gâché quoi dans sa vie? J'ai tout gâché, ok? J'ai tout gâché! Comme quoi? Tu as gâché quoi et quoi? Non. Tu as gâché quoi et quoi? C'est ça. Tu as gâché quoi et quoi?
Tu as gâté quoi et quoi? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Tu as gâché quoi dans sa vie? Tu as gâté quoi et quoi? Tu m'as dit que tu as tout gâché, c'est ça? Tu as gâché quoi et quoi? Tu as gâté quoi et quoi? Tu as gâché quoi et quoi dans sa vie? Bah, même son avenir. Tu as gâté son avenir. C'est ça? Bah oui. Depuis quand tu es dans sa vie? Depuis tout petit. Tout et petit. Comment tu es rentré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Moi-même, je ne sais pas. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? C'est sa mère, c'est son père, je ne sais pas trop. Hein. Alors, maintenant, je te commande, au nom de Jésus, de quitter sa vie. Je ne veux pas partir. Si. Tu vas partir. Si. Si. C'est un ordre. Va-t'en. La Bible déclare qu'en ce moment, plus je réfléchis. Je quitte sa vie aujourd'hui et maintenant, là, dans le nom de Jésus. Libère. Tu m'entends? Libère. Libère. Voilà, libère. 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 C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. 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 Pourquoi je vais la lâcher? Oui, parce que Jésus est propriétaire de son âme. Parce que cette vie ne t'appartient pas, elle appartient au Christ. Tu m'entends? Mm-hmm. Voilà, donc libère-la. Jésus a besoin de sa vie. Vous bénis désormais sa destinée. Libère-la. Oh, j'arrive pas à partir. Oui, tu vas partir. Ce n'est pas une question de t'arrives pas, mais je te commande au nom de Jésus. Ah, je suis enchaînée. Chaud! Tu es quoi? Je suis enchaînée dedans. Oui, mais je brise cette chair. Et je libère son âme. Je brise. Oh. Sauve-elle. Va-t'en. 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 Voilà, va-t'en. Libère-la. Libère-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Sauve-elle. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Oui, va-t'en. 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 Voilà, va-t'en. Au nom de Jésus. 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 Je proclame. Je proclame ta délivrance. Je proclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lumière est libérée. D'accord, d'accord. D'accord, bien. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alors, c'est fini, tu es libéré, d'accord? Jésus t'a libéré. Tu es libéré, c'est fini. D'accord, tu es libéré. Allez, on se tient debout. De l'autre côté, tenez-vous. La puissance de Dieu vous touche. Je commande à la maladie. Je commande à la maladie. Je commande aux esprits. Par la puissance de Jésus-Christ. Les esprits qui contrôlent vos vies. Je commande à ces démons de lâcher vos vies. Je commande à ces esprits de libérer vos vies. Maintenant même, les esprits vous libèrent. Les ordonnent de vous libérer. Je commande à la maladie de partir.
J'ordonne à la maladie de disparaître. Amen. Tout problème causé par la sorcellerie est chassé de votre vie. Amen. Tout pouvoir de la sorcellerie lutté contre vos vies est chassé au nom de Jésus. Amen. Je proclame votre délivrance. Reçois maintenant même les esprits partent de votre vie. Amen. La guérison s'installe. Amen. Tu reçois quelque chose qui vient jusqu'à toi. Amen. Depuis ta tête. Amen. Jusqu'à les plans de tes pieds. Amen. Le miracle de Dieu. Amen. Une onction de visite. Amen. Là où tu es. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Te touche là où tu es. Amen. Quelque chose se produit en toi. Amen. Reçois le miracle de Dieu. Amen. Reçois le miracle. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois le miracle. Et sois acclamé à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ?